l'organisation des services français qui compte. Et nos échanges ont surtout tourné autour de quatre points. Hein. Premièrement, la poser un diagnostic à travers une série de questions. Et comment est-ce que, premièrement, l'inspection générale, qui est un service extrêmement important, et le BSD vont collaborer pour la bonne mise en marche de plan d'action opérationnel du département. Et chose aujourd'hui qui tient à cœur au gouvernement. Et nous allons lui rendre la tâche facile, et c'est le lieu même de le féliciter là-dessus. Et aujourd'hui, c'est des infrastructures. Quiconque parle d'infrastructure, il y a sûrement le suivi sur le terrain. Donc ce qu'il a dit, que nous allons nous croiser sur le terrain, parce que dans un mois, il viendra faire le suivi sur le terrain par rapport aux activités que les entreprises sont en train de faire sur le terrain. Le premier souci du département, c'est de voir personnel travailler de façon professionnelle et observer la discipline qui s'y est. Et c'est pourquoi tout de suite j'ai parlé du savoir. Le savoir, nous le procurons ici. Le savoir-faire qui concerne à extérioriser le savoir est aussi important pour nous, puisque nous enseignons également. Elle sache ce qu'il doit faire, puisque quelle que soit la volonté que nous avons de travailler, quelle que soit la formation que nous avons pour appliquer la loi dans notre pays, si nous n'avons pas les attitudes ou le comportement qu'il nous faut pour le faire, quelque part, le travail ne va pas atteindre son objectif. Donc c'est pourquoi moi, je suis très heureux de recevoir cette délégation à sa tête, l'inspecteur général, pour parler de la discipline et le comportement qu'il faut. Et on est parti à l'École nationale de la police et de la protection civile. De là, nous sommes passés à la Direction générale de l'enseignement intérieur. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin au niveau de l'ONI, l'Office national d'identification. Honnêtement, c'est une journée bénéfique pour qui parle du bureau de stratégie et de développement qui est chargé des différentes tâches de suivi et évaluation au sein du département de la sécurité. C'est important avec tous les investissements que le département est en train de faire dans le cadre de la construction des différents commissariats et des DRP, et aussi à l'École nationale de police où c'est le temple du savoir. Parce que le policier, c'est à l'école qu'il apprend tout. C'est là où il y a le savoir et le savoir-faire. Et surtout, c'est très important qu'on rappelle aux